Merci pour accompagner et aider Kembe famille qui se base société à bien jam. Radio Télé 4 VEH a présenté réponse pour problème famille. Amis auditeurs, téléspectateurs, amis internautes, bienvenue dans réponse pour problème famille. Moi-même, c'est Pasteur Kodo, comme d'habitude, qui rejoint nous avec... Docteur Mirland. Pierre Charles. Moi, c'est médecin de famille. Moi, salue Pasteur Kodo. Moi, salue donc. Et tous amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, qui ban nous attention, yo, qui ban nous, et dans la radio, suggestion de gens, émission 1, à dérouler, qui les rejoignent avec nous, qui manifestent la bienveillance envers nous. Oui, même moi, ça va sûrement en pile, bienveillance. C'est le mot de l'année, moi. C'est le mot de l'année. Parce que l'on bien garé, bien, ou vle, c'est bien et puis veillant. C'est-à-dire, on vle bien pour. Eh bien, l'on vle sur l'autre. Oui, bien, on vle bien pour. Le bonheur pour l'autre là. Oui. Pendant que, comme si, veillance. Oui, bien, et puis, c'est-à-dire, me voulait bien pour. Oui, son mot, moi, ou répéter, en plus, je pense que nous avons pour nous parler de ça, de bienveillance. Parce que, côté que nous-mêmes, l'homme, n'a pas parlé de l'amour. Ah oui, et en fait, ça nous parle rentrer dans divers et différents types de l'amour qui gagne. L'amour inconditionnel, comme si de Dieu, ou après, de quoi gagne nous, même l'homme qui dit humain sur cette terre, qui arrive dans le niveau ça. Mais tout le monde est capable de bienveillant. Comme si moi, je voulais bien pour vous-même. Si moi, comme médecin, je voulais bien pour vous-même, ça, c'est déjà échec. Mais si je voulais bien pour vous-même, je vais transmettre. Esprit bien ça que je gagne, je vais transmettre. Ou même tout ou voulez bien peut-être ou venez pour bien ou transmettre ça c'est il y a une pile philosophie là-dedans Pasteur Kodo et nous devons cultiver ça. Ouais, c'est vrai. Nous devons cultiver ça parce que c'est important et parce que nous pas qu'à dire même j'en ai latin on dit homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Bon Dieu va créer nous pour nous comme ça, mais là pour protéger l'homme, nous là pour faire bien pour l'homme même si l'homme est gras. Même si l'ingrat. Son devoir. Le bien, c'est un devoir. Il faut faire le bien parce que c'est le bien. Moral. Nous t'ai appris ça, c'est ça, civique et moral. Parce que c'est le bien. Parce que c'est le bien. Normalement, on parle de l'amour agapao, l'amour agapé, et que nous venons dans bon Dieu. Oui. Et c'est tellement vrai que la première prière que Jésus a adressée, c'est en faveur de ses ennemis, sur la croix. Papa, pardonnez-yo, parce que par contre, c'est à faire. Donc, c'est première parole est répétée. C'est en faveur. Ennemi, yo. Wow. Donc, c'est ça qui fait nous comprendre que si nous voulons sembler avec bon Dieu, et nous sommes d'accord avec Paul qui écrit mon Philippe, il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, non sens, c'est ça qui nous fait que nous créons à l'image de Dieu. C'est façon ça, oui. Là, on dit nous semblons avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est l'esprit lié. Donc, maintenant, sans ça, nous semblons avec bon Dieu. Dieu est amour. Bon Dieu, pardonnez. Bon Dieu, et c'est la justice. Bon, donc, ça veut dire que, en principe, et nous devons faire bien pour le monde. Oui. Même si le monde ne parle pas, mais nous devons aimer. Ah oui. Mais c'est seulement dans Jésus qui a joué ça. Seulement dans Jésus. On va même dire dans l'église, non? Oh. Parce que l'église va dans Jésus. Ou bien on nous dit autrement, ou dans l'église, oui, mais pas dans la religion. Parce qu'on doit dans la religion. Oui, c'est vrai. D'accord. D'accord. Bon, je suis pasteur. Oui. Bon, tu es qu'à avec pasteur, mais pas de pasteur. Oh my gosh. Bon, Kazem. Bon. Non. C'est il me dit tout jeune ça, le lever nous au milieu. Il faut profiter de lui. Je me lève là en bas, bouchou. Depuis que je m'attends dans 4 VH, ça va du tout à Pigangan passer. Non, mais depuis que je m'attends dans 4 VH, même là, on est à la direct. Oui, parce que quand je suis commencé dans la radio à tout, j'étais très jeune. Très jeune, bien beau, né, bah, comme ça. Oui, ça fait grand pile le monde. Monsieur Lee n'attend pas le nombre des années. Merci, merci. Bon, en tout cas, donc, merci parce que vous-même, vous toujours félicitez. Merci beaucoup. Alors,
Bon, par contre, c'est parce que depuis un monde, il y a un minimum d'appréciation dans l'estime de soi. Qui bon, c'est valeur qui connaît valeur. La connaît valeur, oui. Valeur, valeur. Okay, pour bon. Un monde pas bon valeur, je vais pitié pour lui parce qu'il y a une valeur. Merci parce qu'on bénime, on bénime. Bon, merci un peu, donc. C'est la vérité. Bon, merci, donc. Bon, Kounia là, nous t'as parlé de sept ennemis internes. Du succès. Succès. Bon, nous arrivons dans la dernière, là, Kounia. Bah oui. Oui. Nous avons fait deux. Oui, la dernière, là. Oui, celle-là, ça, l'incertitude de destination. Oui. L'on passe à tes côtés pour aller. Oui. Donc, nous, ça, c'est trois, les mêmes trois émissions, nous, là-dedans. Alors que nous avons touché sept et demi. Interne du succès. Et premier l'ennemi, nous t'a dit, c'est... Procrastination. Procrastination. L'autre jour, mon pasteur, et qui est psychologue, tout, il dit, écoutez-nous, et ben, alors son fille, il dit, écoutez-nous, il dit, travaille sur procrastination. Parce que, il réalisait que, même, dit, moi-même, tout, victime de procrastination. L'homme qui est pour me faire, il dit, maguetant. Mais dernièrement, me font, forcing sur tête moi. Il y a un bagaille, nous t'ai fait, et m'ta pas sorti. L'aime garder jou barré moi, jou passé, et puis me font forcing sur tête moi. Et puis me fait. Ça c'est tout le monde, oui, qui passe étape ça. Exactement, me fait, n'aime pas procrastiner, m'a fait. Et puis là même qui m'aime dans deuxième là, c'est absence d'autodiscipline. Bon, m'obliger une discipliner tête temps pour me faire. Yes. Et là ou discipliner tête ou téléphone sonne ou pas après. Télévision match football Real. Ou pas là, Real ou pas là. Ah, il y a des qui malades. Il y a un bagage de Real avec. Ah, et pourtant. Mais cependant, il y a un mot m'incrivé, c'est tout. Pour faire ça, oui. Parce que même Real, Manchester ou bien, il y a son discipline qui fait là. Ok, son discipline qui fait là. Ou même tout, bon, vie ou construit. Donc, fort font différence entre distraction et obligation. Oui, on parle de ça plusieurs fois. Oui. Donc, j'avais dit que nous dit premièrement, c'est procrastination. Deuxièmement, absence d'autodiscipline. Absence d'autodiscipline. Troisièmement, c'est médiocrité. Médiocrité. Donc, j'avais dit, pas voulez améliorer au sens où bonjour et là. On va faire un effort même. Donc, là, encore, on m'a dit, est-ce que ça, c'est génétique? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que culturel? Qui s'est passé? Qui fait mon nom pas voulez avancer? Mon à l'école, il dit, ah, m'faut moi un 5 ans là. Ah, trop bon. Trop bon. Ça m'a besoin encore. Alors, ça m'a fou bête, on dit, aïe, il va venir, bébé, non, allez. Quatrième, c'est la négligence. Bon, négligence encore, on a demandé, est-ce que son bail génétique, est-ce que son bail culturel, est-ce que son problème santé mentale, qui fait mon nom bien démotivé. JPP. JPP négligé, est-ce que tous ces façons qu'elle dégrandit, problème environnemental, qui, justement, t'es diminué mon nom. Oui. Pour montrer qu'il n'y a pas une valeur, il n'y a pas bon à rien, il n'y a pas vaut à rien. Et puis finalement, il n'y a pas pour que ça, la dépense d'énergie. Oui. Et c'est la fond bagaille, bon, il met tout ce qui j'en ai. Mais là encore, le plus souvent, mon nom n'a pas grandi dans l'environnement qui a un standard. Qui a un standard pour moi. Parce qu'il faut un modèle. Il faut un modèle. Il faut un modèle. Un standard pour vivre. Et mon nom n'a pas un standard. Ça. Ou bien que. Il n'y a pas un système d'évaluation. Si les gens ont fait bien pour valider. Parce que ça, ça fort, oui. Oui. Ça oui. Fort. Il est venu te parler en partie, mais pas d'un affaire. Pas gain comme si tu étais pour évaluer. Oui. Parce que tant que tu as dit, est-ce que gagner valeur, ok, non, surtout dans le contexte nous-mêmes en Haïti, est-ce qu'il y a une valeur et puis comme ça, qui pour bail mon nom, que vous voulez ou pas voulez? Yeah. Est-ce que nous, c'est l'homme? L'homme aller. Non, pyramide et Abraham Maslow, la parole de satisfaction quand même. Tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de ça. Oui. Une appréciation oui. Pour valider ça le fait. Oui. Et puisque leur belle valeur, tout ça vient affecter l'estime de soi. Oui. Il vient recueillir une valeur. Oui. OK? Donc, ça veut dire, mon négligent, bon, peut-être c'est parce que y a pas de standard, pas d'évaluation, et pour dire, mais ça passe même côté nous voulons pour arriver. Non, ouais, ouais comme si, et n'importe moun met mon corps atteint une série de niveaux, et si moun nan nan niveau 2, quand il était nan niveau 2, ou quand t'as mette nan niveau 9, 10. Donc. Bon, normalement, c'est fait. Normalement, bah, y a un ensemble de principes, et chaque étape, pour grandir dans la vie, y a une sorte de transition, yo,
yo provoke yon sort très de bien. Stress ak pression oui. nan transition. Men, kan men, faut avanse. Faut avanse. E, se depi nan fami nan, pou montre ke, ok, ou te aten etap sa, kon ya, y mande plus efort pou aten lot etap la. Y mande plus efort pou aten lot etap la. E zak fe, Paul di, je traite dûment mon corps, afin de l'assujettir. Li, en parlant la pale de discipline spirituelle, li, pon exemple nan athlétis. Pou di ke, lor bezwen pou gen succès pou champion, kom athlète, premièrement, ou konen tout sort d'abstinence. Abstinence, gen bagay pou abandonne, gen pou lage, et puis pou koncentre ou sou kote ou pou ale. Oui. Apot Paul di, j'aime fixer sou kote m pou ale. M bagade ni a gauche ni a droite. Donc, c'est même genre, si ou gon on bu nan la vie, pou yve kote ou va arrive, fò koncentre ou sou kote ou vle rive. Et pendant que je dis ça, oui. ça rappelle mieux aider qui toujours a stimulé nous pour nous capables de boire plus loin, et c'est-à-dire pour nous capables d'apprendre plus, tout autant que ou un professionnel, ou connaît plus, ou lire plus, ou étudier plus, ou servir plus bien, et que ou ben plus bon résultat, et que l'étape explique gagner un résident en médecine. Et qui l'est comme si tout le monde est vraiment compétent, mais toujours à lutter comme si il pas jamais voulu finir le travail. Et que comme si tant qu'on travaille dans ce domaine, tant qu'on travaille, tant que tout est meilleur. Et puis il dit lui, il besoin plus qu'à l'or et diamant. Et parce que pour venir gagner l'or et diamant, ça peut le travail, ça peut le processus. Pour bouiller. Qui, avant pour venir bouiller, aussi pour des preuves. C'est ça, j'ai besoin vraiment faire passer mon comprendre. Et puis c'est pendant que ça puis m'a regardé pour toute étape médaille, belle on mon rivé dans médaille d'or. Donc il justifiait en général travail toute étape oui, que oui, couronner toute étape qu'au boulot passé yo. Oui. Parce que la vie a ses consaliers. Ben il pas prêt venir jouer nous comme ça. Non. Il y a un travail dur. On dit les gens pour vraiment de parler. Cinquième point hein. C'est la paresse. Ouais, cinquième et demi interne du succès, c'est la paresse. Mais qu'il nous semble à qui l'autre tout. Hein? Oui. Hein? Sixième, c'est manque de foi et de curiosité intellectuelle. Oui, oui. Intellectuelle, mais il doit. Bon, bien que c'est n'a pas sur ça quand même, oui. parce qu'il faut curieux, il faut les connaître. En prouve à la découverte, il faut les connaître. Il faut toujours enquête. Enquête. Et c'est chaque jour des ventes, vous les connaître plus. C'est même genre, on parle de. Destination. Bon, normalement, quand on a une destination, mais chaque jour, besoin qu'on ait de nouvelles destinations. Oui. Ou à découvrir de nouveaux horizons. Avec dit que ou à chercher qu'on est. Ou pas satisfait qu'on soit. Ou pas satisfait que soit qu'on est, ou voulez qu'on ait plus toujours. Et que, ou vient grandir dans la connaissance. Vous avez raison? Et, quand côté, apôtre Paul parlait, Pierre parlait de, et c'est pas connaissance seulement, non? Patience. Eh, pas patience seulement, non? Telle persévérance. C'est pas patience. Non, Pierre. C'est pas tout compris. Yeah. Non, un Pierre, deux. Yeah, quel, et Capaletti, c'est ma. Ouais. Il y a une progression. Ça. Oui. Chaque bail, il faut grandir. Oui. C'est une étape, c'est une étape, ça. Oui. C'est une étape, c'est une étape, ça. Sous plan spirituel. Il dit, il faut qu'on lie la science avec la vertu. La c'est vertu, ça. Voilà, voilà, c'est voilà. Ça. Donc, ça veut dire que curiosité est importante. Ou envie connaître. Et c'est curiosité que maintenant à la découverte de Dieu. Ça veut dire chercher connaître qui est mon bon Dieu. Qui ça fait création? Comment me faire là? Et maintenant, on va venir les philosophes grecs qui posaient trois questions qu'on posait longtemps. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Ça veut dire question ça, c'est question d'intelligence, question intellectuelle pour connaître qui voulait découvrir quelque chose. Ça, c'est pas menti. Et dernièrement, je m'a regardé mon suivant documentaire, et puis il y a un monsieur, et je crois, est-ce que c'est un Américain? Bon, moi, j'aime tellement, et c'est la première fois que je suis un documentaire là, je me regarder sur l'affaire de Troie, à parler la guerre de Troie. Et puis, mais c'est, il dit, il faut le trouver, et il y a un trésor là. Et puis, il y a pas l'eau, et Odyssée et du trésor de Troie. Ah. M'a regardé le documentaire ça. Le terme Odyssée
il m'a aidé de longtemps au maire, ou bien, je ne sais pas, au maire, c'est avec ça pour la première fois, et dans l'Antiquité, son voyage maritime qui est périlleux, chargé d'incidents malheureux. Quand tu es froid pour. Merci. Dans l'Antiquité, depuis l'Odyssée, son bagage qui gagne, ensemble d'incidents malheureux et bienheureux tout. Donc ça veut dire, mais la privée, oui. Oh, pour montrer comment monsieur a dit, faut le trouver, là, là. Et puis finalement, il arrivait en Turquie, et puis après, il explique qu'on parle de Asie mineure, qui c'est la Turquie maintenant. Je me disais, mais quand tu as appris ça dans la bouche à passer en photo, là, c'est le documentaire, là. Et puis, après ça, il commence à fouiller. Il dit que qu'on est là, il vient en bataille, fouiller, il trouve, et a fait 2-3. Et puis après, il explique qu'on 3-1. 3 et 4, 3 2, puis il n'y a pas le mais ça avant Jésus, puis il finit par trouver un trésor. Quand il y a un trésor, ça a eu la Russie, il était dans un temps, et en Allemagne, après il vient la Russie, c'est comme si on a suivi parce qu'il a cherché, et puis il a trouvé, et puis après ça, même quand l'autre archéologue, comme si qu'on y a moderne, il a dit qu'il était fait faux, là, comme si il était moi qui fait là avec soin, mais quand même, c'est une étape, et puis il a trouvé un trésor là vraiment. En or, et puis, gagner un. Son nan, documentaire ou bien? Oui, un documentaire, oui. Oh, mais c'est pas réel. Oui, oh, oui. Et ouais, mais la Turquie, son pays, tellement d'histoire de richesse. Longtemps, là, on prend les sept églises d'Asie mineure, qu'on prend un pays, la Odyssée, par exemple. Puis, très riche, vous semble-t-il? Très riche. Mon nom était très fier de tête, à cause des richesses qu'il y a. La Odyssée était une première clinique. Et ophtalmologique, ça me le dit. Oui, mon Dieu, dit que ça, comment l'homme, voilà, il dit que pourtant ça, il y a une qualité intelligente, ça. Comme si, bon, et, Dieu, richesse, bah, oui, richesse, ça que vous trouvez en noir, il fait tant que, comme si, en, et comme tu as dit, sa forme de, et bah, en tant que cuvette, tant que gamelle longtemps, yo. Comme si, comme tu as dit ça, et que Villion, en cuneiforme. Cuneiforme, très bien, merci. Oui, et pas de cause, et puis, mon Dieu dit, comment on entend ça? On parle 3000 ans avant Jésus-Christ, 2500, comme si. Bon, j'étais pas un peu l'intelligence. Et puis, monsieur, lui-même, il voyageait, il s'est arrivé. Oui, et puis il y a pas l'Odyssée d'un trésor. Ouais, parce que l'Odyssée, c'est parce qu'il est pas facile. Oui. Pour jouer un trésor, il y a des montées, des descentes, il y a des difficultés. Mais finalement, on va venir, il y a ça fait dans l'Antiquité, on dit heureux qui comme Ulysse, ça fait un bon voyage. C'est parce ça. Parce que voyage là toujours périlleux le plus souvent. Donc faut là, toujours vie, chercher. Faut chercher. Et pays ça, autant qu'on a Turquie, Asie mineure. Par exemple, on peut étudier Pergame, ou bien Smyrne, la Odyssée, Éphèse. Ouais, Éphèse, là, c'est là que t'es gagné. Gros top pour Dieu, femme qui était Artemis. Alors, et Robert et Diane. Donc, qui était considéré comme, il y en a 7 merveilles de l'ancien monde. Donc, ça veut dire que, pays ça, autant que pays Turquie, hein, tellement t'es gagné richesse là-dedans. Donc, histoire est riche en histoire, est riche en bagaille, pierre précieuse, oui, en bonne qualité oui. Bagaille. Dans le pays, ça, oh. Mais c'est chercher. Chercher. C'est même jour, on doit là, dans le pays, on chita sous richesse. Ouais, on cherche rien. C'est chercher, pour joindre. Mais soit fait fouille. Mais Jésus-Christ dit, chercher, ouais, joindre. Ah oui. Faut appeler à l'ouvre pour demander à bord. Chercher, ouais, joindre. Chercher, ouais, joindre. Ça fait, oui, parce que ça, quoi. Oui, oui, chercher. Faut pas chercher au propre cas, chercher, ouais, joindre. Donc, ça veut dire que, là, on chita comme pareil, c'est comme négligent. Et on parle qu'un sens de curiosité. Pour découvrir quelque chose, qu'on voulait connaître quelque chose. Ou pas, j'aime connaître. Hein? Alors, ça mène dans 7e et demi, hein? Et demi de l'échec, interne de l'échec, du succès. C'est incertitude de destination. Nous faisons 2 émissions déjà sur l'incertitude. Qu'on en a parlé centré sur destination. Quelle est votre destination dans la vie? Et qui ça nous a besoin pour arriver dans la destination? Mais en réalité, tout le monde qui a fonctionné, mais je connais qui est-ce qu'on arriver. Mais, on a dit qui est-ce qu'on arriver, l'homme n'a pas plusieurs priorités dans la ville. Ça veut dire que, et dans chaque bagage, il y a un arriver. Mais dans la vie, tout en gros, il y a un arriver en gros, mais dans chaque aspect de la vie, tout, il y a un arriver. Même bien sur le plan éducation, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Conjugal. Économique. Quelque chose, oui. Qui coûte les rivets. Et ça fait la vie, le monde le plus souvent dirigé.
les diviser en comptes. Comme c'est compte bancaire, il y a différents types de comptes, différents types de domaines dans la vie. Parce qu'il faut travailler sur chaque domaine. Même il y a un domaine spirituel, un domaine économique, un domaine familial, un domaine ceci, un domaine cela. Social. Social. Ou une responsabilité, puisque c'est un être professionnel. Professionnel. Son être multidimensionnel. Et c'est ça que fait. Là où on a vivre, on a stressé, il y a un problème. C'est tout aspect qui affecte net. Et ça que fait. Ou instable. Ou instable. Maintenant, le travail, il faut travailler pour jouer un équilibre, sa stabilité mentale qu'on a besoin, qui pour permettre d'atteindre l'objectif qu'on gagne, qui pour permettre d'arriver dans la destination qu'on doit aller. Puisque normalement, il y a un ensemble de difficultés et de problèmes qui empêchent d'arriver. Mais avec détermination ferme, avec persévérance, avec patience, on va arriver quand même. Quand même. On va arriver. Patience, la foi. La foi, c'est. Bon, la foi, elle est même égale vision. Parce que c'est la foi qui a fait arriver côté, doit arriver. Et la foi, pour obliger comme ça, ouais, visiblement, ben là, c'est dans la pensée, c'est dans le mental, pour l'image là. Parce que tout ça réalisé, c'est dans le mental, il sorti avant. D'abord. Oui, c'est dans le mental là. Parce que si, vous venez, vous dites, j'ai une idée. Une idée, c'est une image de sort, mais ouais. Vous dites, ah bon, j'ai une idée, expliquez-moi de ça, ouais. Donc, ou gon bagay nan mental ou, ou gon bagay nan pensé a, for well. Et si ou pa wè an yon, ou pa jèm jwen an yon. C'est ça. Et ça fait dans le domaine leadership là, tout yon dit, what you see is what you get. So wè a, c'est li wap jwen. Ce que tu cherches, tu cherches. Ah, voilà, très bien. Donc, par conséquent, l'on fonctionne dans la vie, et un père de famille, une mère de famille, les enfants, yon dû connaître qui ça voulait. Et il doit diminuer le niveau d'incertitude là pour augmenter le niveau de prévisibilité. Oui. Donc, nous avons ouais, dernièrement, nous avons dit qu'il y a plusieurs stratégies pour réduire l'incertitude. Premièrement, nous parlons d'une stratégie passive. Côté que c'est observé, on va observer. Ou pour un petit temps pour observer. Ça, très important, okay. L'observation. OK. Deuxième stratégie, c'est une stratégie active. Qu'on est là, c'est que vous parlez avec le monde. Oui. Vous parlez avec le monde. Et troisième stratégie. Après, qu'il donne. Troisième stratégie. Après, qu'il donne. Oui. Parce que, vous avez l'engagement dans une destination. Il y a un monde qui est allé déjà. Il y a un monde qui comprend bien, qui a l'expérience. Donc, vous parlez avec vous. Il faut parler avec vous. C'est une stratégie active. Et troisième. C'est ça qu'il faut. Vous avez toujours besoin d'ancien. Vous avez toujours besoin d'aimer. Vous avez besoin de monde. Même la Bible dit que ça. La Bible, mon côté, dans le proverbe, qui dit mandez ancien, mandez grand monde. Côté ancien, bonne yoté placé. Ouais. Parce que bonne, c'est limite terre. Oui. Mais yon kama on bœuf, là, de yon haché. Gon ba yon ka arrivé. Qui ka arrivé. Donc maintenant, yon ka rentré sous terre, moun nan problème. On a dit, mande ancien, yon côté ancien, bonne yoté placé. Donc ça veut dire. Yon bagay sans siècle pour dieu. Pour qui dieu. Ouais. Qui pour dieu. Donc ça veut dire que, nous dit que stratégie passive, observer, active, ou parler avec mon bon jeune donné interactive, c'est ou même parce que pas tout bail mon qui a fait pour gagner, c'est où c'est pour faire. Donc ça veut dire c'est faut impliquer son, faut impliquer. Donc ça veut dire interactive, une stratégie interactive qui avale maintenant dans sa acceptation. OK. Et ça fait dans le domaine relation tout intime. Ouais, dans relation intime, nous te parle de ça, c'est que ou ca bouquet durer mais au monde mais gon phase. En phase d'observation, en phase de stratégie passive. De connaissance. Ouais. Deuxièmement, active, c'est qu'on parle avec le monde, on demande des formations. Interactive, c'est où même qu'on n'a pas de tête. Et pour qu'il mène en phase d'acceptation. Maintenant, qu'on y a là, nous parler de comment qu'à réduire ses attitudes. Qu'on y a ça qui est important, c'est que trouver destination. C'est qui tu veux là. Là, on est en somme 107. Verset 28 à 30. Ma parole est pour nous. Ouais. Pour destination, si par exemple, pas sur le dos, ou à chercher et un bagage quelconque, ou bien un rêve, quand même, incertitude dans la caille tout le monde, nous expliquons ça. Mais, ou bien la foi, ou bien patience. Mais au moins, si je cherche un besoin, une chaise, je ne peux pas aller
directement kay docteur faut aller kay et bénisse. Vous comprenez, il faut me chercher. Mais il faut qu'on ait qui côté à aller, oui, yeah. Qui connaît. Monde pour adresser. Oui, parce que soit je cherche un bagage côté il paye. Vous bon, comprenez 120, on va gaspiller temps, on va gaspiller énergie. Maintenant qu'on a parlé de destination. Oui. Mais destination, l'obchèche destination a une certitude, mais en même temps, il y a des problèmes. Et ça fait mal dans Somme 107. Verset 28 là, mm-hmm. et 28 et 30 à 30, qui ça le dit? Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 29 là dit, il arrêta la tempête, ramena le calme mm-hmm. et les ondes se tuent. Verset 30 là dit, ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Maintenant, au port désiré. Ça que vous te voulez. Oui, parce que nous sommes censés être plusieurs côtés, il dit, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. L'Éternel délivré. Maintenant, dans verset 28, là, il dit comme ça, il calme la tempête là, il ramène le calme, et toute vague yo baissait. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Ça veut dire forcément où? Oui. D'abord, qui yeah. connaît Koto Vlé. Koto Vlé. Parce et que bon Dieu lui-même, ou mandé, la main non Koto Vlé. Voilà, aller. Parce qu'il y a toujours une tempête dans la vie. Il y a toujours des vagues dans la vie. Mais réaction, c'est que qu'il crie à l'Éternel. Ça veut dire l'Éternel lui-même qui connaît le passé et le futur, parce que le présent, le passé et le futur n'ont aucun sens pour Dieu et se confondent. Parce que c'est Dieu. C'est nous qui ne connaissons pas le futur. Par conséquent, nous inquiétons concernant le futur. C'est qu'à venir. Mais, et par conséquent, c'est ça que ça demande, il faut collaboration avec les gens qui connaissent le futur. Les gens qui connaissent le futur, c'est bon Dieu. Dieu. Et c'est ça que fait dans son sens, c'est là, il dit, et dans détresse, verset 28, il crie à l'Éternel, l'Éternel répond, yo, il délivre, yo, et puis il dit, il calme, et il calme la tempête, il apaise et vague. Donc maintenant, il conduit au port désiré. Ça veut dire dans la vie, chaque fois, on a besoin qu'on a qui pour aller. Comme bateau, comme pilote. Et dernièrement, il y a quelques familles qui sont venues là-bas, dans le bateau. Mais je suis allé pour un contrat qui est malheureusement, bon, je ne vais pas quitter mon entrée. Maintenant, je suis venu pas là-bas. Après ça, on dit, là où il a dit après aller à Ouba. Donc, par conséquent, il y a un côté pour aller. Bateau a un côté pour aller. Parce que si vous n'avez pas un côté pour aller, vous ne pouvez pas faire un côté. Ah, ben c'est ça. Vous avez un peu de propre réalité, nous, là. Que tout le monde. Si vous montez un camionnette, la camionnette, là, lui-même, donc on y a là, il arrive à zéro. Supposons, moi, pour aller et arriver dans la zone Zo Vincent, il faut me connaître. On ka di chauffeur camper pour moi. Ou faut qu'on compte pour aller. On me connaît. Yeah. Et en même temps tout, lorsqu'on compte pour aller, on va analyser, évaluer côté sortir par rapport à côté côté pour aller. Et pour capable essayer faire sorte de monitoring pour évaluer progression qu'on a fait. Oui. Où on est côté parti tel là, on va prouver tel là qu'on est à qui côté mieux. Dans la vie si vous n'avez pas une destination, vous n'avez pas de quel côté, vous n'avez pas de évaluer qui côté est tout. Et quand il y a l'arrivée de côté, par exemple, vous avez arrivé à Vincent, vous avez dit que vous avez arrivé à 7 phénomènes, car vous avez 7 phénomènes, vous avez même c'est 0 même que la privée, vous avez parlé au-delà de 0. Même quand vous avez descendu, vous avez descendu, vous avez descendu parce que vous n'avez pas arrivé à côté. Non, mais si vous n'avez pas de côté pour aller, depuis n'importe quel côté, vous avez descendu. Oui, n'importe quoi qu'on arrive, on descend. Parce qu'on ne peut pas aller. Ça belle. N'importe quoi qu'on arrive, on descend. Et puis, on a mené n'importe côté. On a mené à destination. Qu'on parte et voulait tout. Oui, mais on ne peut pas aller. Depuis là, vieux, on n'a pas un plan pour vous. On a fait plan pour vous. On a fait plan pour vous. Et au 3 qui a tombé dans le tchouboum. Non, dans le tchouboum, parce que c'est dans le plan pour nous rentrer. C'est et quelquefois, on connaît tes noms pour le monde qui va même faire plan pour tête et tout. Non, mais c'est ça même. Donc, exact, voilà. Donc, j'avais dit, mon n'y a un plan qui va définir un plan pour le fond. Qu'on est à où il dit ou suivre, les tomber suivre, parce que vous n'avez pas un plan. Est-ce que, bonjour, c'est même Jean-Léger Jésus venu. Oui.
Il y a une mission bien claire. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. David dit, pas gagné, qu'à détourner, parce qu'il compte pour qu'il s'aille venir. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est ça que fait dans Jean chapitre 17, où après qu'il baille un rapport de mission, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Glorifie-moi. Donc, par conséquent, il t'a quitté gloire. Il dit, au terrain même depuis avant la fondation du monde, moi, t'es venu obéir. Qu'on y a moins fait, ça m'gait pour me faire. Il dit qu'on y a glorifié encore. Il t'a rien doit évaluer ça, il fait parce qu'il te connaît qui ça vient régler. Et il l'a complété, il l'a achevé, il connaît l'achevé. Donc, si vous n'avez pas un plan devant, vous n'avez pas un but de mission, vous énoncez de vision ou bien de mission, vous n'avez pas réalisé rien dans la vie. Ouais? Faut qu'on qui sauve. Et on vit. C'est pour réaliser. Au venir, mais Jésus lui-même l'a évalué dans Jean 17. Il dit que je fais toutes sortes de bonnes pour me faire. M'achever. On a dit bonne gloire encore. Ouais. On a allé dans la destination parce que. Et. Nous dit que plan haut dans la vie, c'est en question système de GPS ou système de positionnement global. GPS veut dire système de positionnement global. Et le plus souvent, c'est. Et alors, qui utilisait un réseau de satellites et apparaît au sol pour établir l'emplacement d'un objet. Avait dit que GPS t'a permet au capable arriver côté au cas situé objet que chercher ou bien caille ou chercher direction zone ou chercher donc l'important. Et maintenant, en question posée, quelle est la destination de la vie? Quelle est la destination de la vie? Alors, en plus, nous considérons la vie comme un voyage. OK. C'est que j'ai un objectif dans la vie et j'espère vraiment l'atteindre. OK. Mais si je ne fais pas, si je ne le fais pas, je profiterai simplement de ma vie moyenne. Une destination est un objectif concret. Concret. Que vous ferez tout ce qu'il faut pour y arriver et rien ne vous arrêtera. Pas objectif, non? Donc, ça veut dire objectif concret. Il n'y a pas d'abstraction. Ou après, il fait tout ce capable pour arriver là-dedans et en n'y a pas qu'à campo. Parce que, en principe, la vie, son voyage, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée et il y a un objectif. Je ne sais pas quoi on a appelé vaisseau de ce cap, il a le porte presque comme ça, sans il va contre ça, la règle. Et il connaît à qui il est là, qui est au cap, qui est, il est arrivé au porte presque. La vie, son voyage lié. Et nous t'as considéré comme une odyssée même. Parce que c'est son voyage qui est chargé d'incidents heureux et malheureux. Et oui. Dans le voyage, ça, on va pas prendre un peu le bagaille. Mauvais lendemain, mauvais vent, mauvais bagaille. Tempête à venir. Mais vous persistez parce que vous avez un contrôle de l'arrivée. Donc, l'avion doit avoir un plan. Et chaque petit monde qui est dans la famille, nous comprenons que les parents ont un plan pour eux. Dans le commencement, c'est parents qui fait plan. Oui. Mais après ça, si on a analysé le plan, on a pour lui, il fait plan pour tête. Oui. Il fait plan pour tête. Ça, et c'est ça qui va aider si on a demain et même dans l'estime de soi ou même parents qui ont aidé le construire, ou pas prendre plan ou la guerre, si on a, parce que où c'est où, si on a, c'est lui-même. Chacun a une personnalité. Oui, donc on a aidé construire tant de plans. Et puis, ou comme vous avez expérience, vous avez orienté. Mais le plus souvent, quelque part, on a pour le bâtiment parce que vous voulez que vous entrez dans le plan par vous. Oui, et vous voulez que vous soyez même. Vous voulez, oui, c'est vous-même. C'est comme si vous éliminez toute personnalité et toute identité que vous avez. Et parce que vous avez un plan pour le petit. Vous avez un médecin lié. Ou bien avocat. Et, avocat, ben, ou bien infirmière. Cependant, lui-même, ce n'est pas ça le voulait. Il t'a aimé plus il y a un monde qui est dans la technologie. Un styliste. Un ingénieur. N'importe. Et qui. Par conséquent, c'est ça qui est orienté. C'est à vous le ranger pour ça. En dedans pour ça. OK. Et passion, c'est ça. À partir du moment que vous avez forcé l'entrée dans le plan pour l'autre, déranger ou qu'a démotivé le tout. Oui. Et ça a créé un conflit entre vous-même. Ça, c'est ça qui a créé un échec pour lui-même. Échec pour lui et puis un conflit entre nous deux. Oui. Parce qu'on voulait, soit on voulait, c'est ça pour lui.
mais li pas senti se appel sa ki gen. Moi même pasteur, j'ai des garçons, mais au pas dans domaine, yo a servi bon Dieu. Oui. Mais au pas ga appel pour pasteur. On pas ka forcer au Dieu pour pasteur. Non, non, pas de faire ça. Et parce que moi même bon, moi gen et ti moun mwen yo, c'est même domaine avec que yo remen tout naturellement. Okay. Peut-être que moun ki gen va dire ou quoi c'est moi qui force yo. Yo ka influencé par médecine, bon. pas profession parce que tu as un médecin, ça pas un problème parce que maman au médecin, oui. Ta gen famille ou ka joine en pile moun ti médecin. Tout c'est ça. Ou bien avocat. Bon, mari li même li pas dérangé par ça que et mesdames yo pas choisi et même domaine avec mais li instruit. Oui, bah ingénieur. Oui, li instruit pour ka konn pa ke nan domaine construction. Non et débloquer toilette non ben électricité li aide yo nan sens ça si bicyclette yo ceci depuis au petit comme si et bricolage comme si li apprendre yo ça donc ça veut dire pour moi pas aide yo ti moun atteindre rêve li ça le remet ou parent on pas ka di en fait ou fait yon gros temps non mon fait du temps et il a eu un gros temps non c'est normalement chaque monde même gon bagay qui senti taillé pour lui il gon vision pour lui il gon côté l'arriver voilà parents c'est comprendre côté l'arriver sous cabay conseil pour aider l'arriver voilà. L'arriver ou mettez ici ta vous dire ça que lui même li vle puis ou même tout ou suivre li tout pour ouais et attitude li et aptitude li tous deux ou suivre yo pour capable et ouais par exemple moi gagne deux ça nan qui remen dessiner mais pendant que li remen dessiner a li remen parce que dans ligne papa il rend au architecte bon, voilà pendant que li te connais remen faire dessin oui mais pas dans niveau pas et pendant que li remen décide et dessiner a mais ça pas empêcher que li remet à faire de prendre soin. Nous disons, ben, ou à faire mariage de tous deux. Et depuis petit, nous avons tendance là. L'école, côté littéraire, je suis capable de citer non, madame, là, parce que lui fait du bien, c'est madame Malène et de Saint-Ville. Et pas nous, l'enfant et pas nous. Depuis lui tout petit, dans 4 ans, Malène, nous avons tendance de dessiner la Kaili. Et puis, li toujours affiché dessin libre que il va faire dans mur et lui même tout lui dit ça dans l'âge que il arrivé lui rappeler de ça parce que tout le temps on a répété ça et chaque temps Malène fait avec lui ça encouragé et puis Malène fait nous comprendre ça parce que lui même lui placé mieux que nous-mêmes il fait nous comprendre ça et puis nous encadrer dans ce sens ça oui c'est ça parce que c'est pour nous encadrer tout monde pour nous aider développer talent lui ensemble de nous pas là pour imposer c'est ça nous voulons qui vient créer un conflit et une frustration dans la vie de mon nan juste les rives grand mon cheveux blanc oui donc tu alors n'a pas une petite pause n'a pas tourné tout à l'heure comme ça pas oublier que suivre réponse pour problème famille. N'oubliez que vous allez suivre l'émission Réponse pour problèmes familiaux sur Radio-Télé 4VEH depuis Cap-Haïtien Haïti. On a parlé de 7e et demi interne du succès, c'est l'incertitude de destination. Nous avons déjà fait 2 émissions sur l'incertitude, déjà qu'on a fait destination. Et quelle est la destination de la vie? C'est que la vie, c'est un son voyage. Donc, chaque monde trouvé autant qu'on a une salle de transit avant d'arriver dans la destination. Normalement, si tu as demandé à un chrétien qui est destination de la vie, il a dit l'éternité. L'éternité, donc destination finale, là, c'est l'éternité. Mais pendant que nous sommes sous terre, nous avons plusieurs bagages côté pour nous arriver. Et nous avons des priorités et que nous avons des objectifs pour nous atteindre. Même quand tu as dit, mon ami dit, on l'a écouté dans la radio, quelques jeunes qui t'a parlé, ils ont dit, au besoin de rêver dans la vie, un tel rêver déjà.
Bon, par contre, ça arrive. Alors, par contre, si j'aime des mots, ça, on c'est tel... On parle de tel, il finit déjà. Rivé qui côté? D'accord, il faut expliquer au monde. Bon, c'est problème ça, nous avons là, un tel rivé déjà. Bon, normalement, mon cap dit ça, dans l'esprit, semblait, il pensait que le bruit venait à tel niveau, ou déjà bon, déjà arrivé. Sortant des cultures là, oui. Ah ben c'est culture. Il faut que tout le monde leve, il a besoin de causer ça. Pour lui, une fois il veut qu'on y a là, soit il finit faire fil ou bien faire une université. Il rive déjà. Ou bien il y a un caille. Ou bien on caille, une machine. Bon, ou bien il y a un job, il rive déjà. Ou bien la papille est frais. Bon, il rive déjà. Bon. Alors, bah, on est en tout cas, alors, ça dépend de chaque monde qui compte, on veut arriver dans la vie. Ou bien, tu es fini directeur, il rive déjà. Il rive déjà. Donc, ça veut dire, si il rive déjà, bah, il faut qu'on fasse encore, puisque tu rive déjà. Est-elle déjà arrivée déjà? Vous entendez ça souvent, vrai, oui? Ah, ben ok. Rivé, qui côté? C'est qui l'a rivé? Et qui côté, vous n'avez dit, vous voulez rivé tout? Ah, exactement, c'est vrai. Donc, regardez, vous dites, elle arrivée déjà. Maintenant, pour trouver destination, on dit, utilisez votre boussole intérieure pour clarifier votre vision et déterminer où vous voulez aller. Non, ça belle. Boussole intérieure. Intérieur. À l'intérieur de vous-même pour clarifier vision, pour être plus clair. Ah, c'est où? Vous-même. Pour être plus clair et déterminer qui vous voulez aller. C'est un don pour ça. C'est le cap dirigeant. C'est vous qui voyez qui direction à point. C'est pour choisir ça. C'est un don lié. C'est un don. Ouais. Lumière là. Un don lié. C'est un don lié. Donc, faut pour permettre de clarifier vision, pour rendre clair. Et déterminer qui qu'on voulait aller. Ça veut dire surtout troublé ou instable. Ou pas parce que... Non, maintenant, confusion dans l'esprit. Avec manque de confiance en soi. Car il ne faut pas faire ça. Voilà. Puisqu'on est confus. Là. C'est ça, on devrait expliquer. Maintenant, d'où vient la confusion au niveau de l'esprit? Confusion sortit dans le fait que ou qu'on grandit mal, ou pas habitué, ou qu'on stabilité mentale, ça veut dire que ou pas de gagner comme c'est qu'on une ligne à suivre ou pas de gagner support ou pas de gagner une sorte de monde qui a dit je qui kebe mon boudo pour que ou bien pas de bonne chance tout pour capable décider ça qui clair ou pas de bon guide. Ça veut dire que en façon pour que ou même qu'a décider ça vle dans la vie une confusion. Quand on dit ça, c'est ça qui a passé devant mais on schéma la formation que vous faites pour nous comme formateur et puis on montre et étudiant qui l'autre boy on rive et puis ou même on plonger la main balé. Yeah. Fait. Franchement oui, quand on a dit ça c'est image ça. Qui guide côté gain parce que pour formateur comment ou même on orienter, on guider. Et puis tout non seulement guide là, guide et guidance que besoin, mais en même temps tout confiance en soi. Vous côté jeune pour une confiance en tête tout. Ouais, pour une stabilité mentale. Tout ça se construit, oui. Il construit. Il n'est pas fait du jour au lendemain, non? Il construit. Et puis, il construit ton environnement dans l'univers familial. Quand on grandit, ensemble, pour permettre, pour éliminer la confusion, pour être plus clair, pour qu'on qui sauve. Parce qu'il y a plus de monde qui n'a pas décidé de sauver, parce que il n'a pas grandi dans le contexte, quand on permet de décider en bagaille ou même. Soit c'est le monde qui qu'on a décidé pour eux, qu'on y a là, on en fait, on est bloqué. Moi, on parle de quoi? On parle de courir derrière. On est parents. Oui. Des fois, qui disent chita. Et on qui bâtit mon des fois passé au tap. Okay. On déshumanise tout mon nom même autour crée blocage. Blocage. Ça veut dire on n'a pas qu'à trouver des sages bloqués. Et dit c'est comme même et diable m'a dit qu'on est tap ça. Non mais des fois le besoin en diable là c'est même parents même qui remplit ça dans la vie au monde ou bien moun kap grandi ti moun nan par exemple djou yo ba bay chance pou kapab pran décision pou gen confiance pou l'exprimer pou réaliser son bagage pou tandel et puis ou même ou ka et bali des idées et ou ap kite la pou aller ou konnen gen ou gen ba côté que te gen chance suiv comme si moun pa jam bati moun responsable même cuit yon dur ya gombo pour les puis salé pour les puis sans sel oui, et puis oui, pour les puis corrigel pour les gens puis pour finalement oui. L'arrivée pour équilibrer me songe et maman et regretter maman toujours dit faut pas peur qui te gâter
Et qu'on a dit par ça. Maman, c'est sensible, un génie. Oui, il dit, « Sois pas paix qui te regarde. » Moi, je connais qu'on y a la vie à Dieu. Il y a des parents qui ont trouvé, comme si côté trouvé comme pour un petit monde et faire manger pour regarder. Non, c'est apprendre ou pas prendre lui-même tout pour évaluer pour Chita. L'est bon et l'est salé pour dire, « Ah, là, celle-là, t'es trop. » T'en ni plus ou moins redi, son poko ki ton manje redi yon sos, même quand tu es li paraît fade, patience. C'est comme ça. Tout ça, c'est ouais, une construction. C'est construction. Lié. Yeah, oui, ouais, c'est construction. Alors, et c'est ça que fait Timon besoin de présence à parents. Oui, oui, parce que c'est Dieu qui est là pour aider. Ouais, pour aider. Le... Et matin, je parle avec un monde qui est aux États-Unis. Et puis, bon, bah, il dit, il dit comme ça, est-ce que je garde mon qui m'ont vu, ben, comme ça? Donc, comme si, me dit non, bah, regardez. Il dit que macaque, gon discipline qui bâtit macaque. Oui. Si là, après, si par exemple, il mange là, pipi, tu n'as pas qu'à y manger avant, puis grand. Ouais? Puis grand avant. Parce que si pipi, tu allais là, calé. C'est pour quitter puis grand, fin pour avant. Ouais, ouais, au sens de respect. Même pas mes bêtes, yo. Bon, je sais. Bah, dessin animé, ça, yo. T'es grand temps, t'es qu'on a dit, son moun tout venant, dessin animé, il y a de cela. Peut-être un katé dans le film. Bon, dessin animé, c'est réalité, yo. Bon. Maintenant, ok. Quand on a parlé de trouver destination, hein, on dit qu'il y a un problème, il y a une confusion dans l'esprit, manque de confiance, et nous, bah, écoutez, bagaille, ça, au cas, sorti. Vous avez dit, yo. Et, on dit, utilisez votre boussole intérieure pour clarifier votre vision et déterminer où vous voulez aller. On est allé, par exemple, au déterminer quand vous allez, ou bien vision qui est claire, et au déterminer quand vous voulez aller. Et bien, ensuite, verrouillez votre destination grâce à l'établissement d'objectifs, aux affirmations et à la visualisation. Et commencez à prendre les mesures qui vous feront avancer dans la bonne direction. Yes. Maintenant, faut camper là une fois qu'on a une vision. Oui, faut verrouiller. Oui, pour travailler. Oui, pour travailler. C'est clé. Pour camper là. Pour camper là. Vision ça, au point où on dit, bon, roulez, moi, verrouillez là. Et tu avais dit, verrouillez destination grâce à objectif. Parce que, sous la destination, faut qu'on ait une vision là. Oui. Il faut qu'à déclarer, dit qu'il s'en voulait. Oui, c'est un il faut visualiser. C'est un gros monsieur, bon jeune fille qui a dit bon, il faut me marier, j'ai besoin d'une femme ou d'un garçon, soit et c'est pour lui, tel, comme si par rapport à Jésus, il faut trouver. Il faut camper là pour, pour travailler sur lui parce que si on a une destination, on dit mais tel côté me l'arrive, mais ça a partir d'objectif. Yes. Et à partir d'affirmation qu'on a fait, avec visualisation. Dans l'espoir même, où il y a une image que vous voulez arriver à. Il y a l'espoir, c'est ou déjà well. Ou déjà well. Et ça fait, les gens qui visualisent le futur, le futur qui est prometteur, par exemple, ils leur posent la question, ils répondent rapide. Parce que c'est génial. Et les gens qui sont autour de lui, qui ne pas comprennent, ils ont toujours voulu prendre les gens, pour les gens qui des fois fou, qui. Mais lui, ouais, ça. Oui, l'infini tout, prend des mesures, sauf qu'on est destination. Ou fixer des objectifs clés, eh bien, ou commencer au point des mesures qui après, justement, faut avancer dans la bonne direction. Ça veut dire que, ou qu'on destination, ou qu'on des objectifs, eh bien, qui mesure, qui décision pour arriver dans la bonne destination. Bonne destination pour pas gaspiller énergie, pour connaître que, ou après. Connaît un, deux, trois. Eh bien, ça diminue le stress, là, quand même. Oui. Lorsqu'on est couteau pour aller. Ouais. Et ça va confiance en soi. Parce que ou qu'on koto pour aller. Oui, même que tout le monde a parlé. Mais ou qu'on koto pour aller et ou qu'on qui sauve. Maintenant, on a parlé quelle est la destination de la vie. Eh bien, maintenant, l'autre question qu'on a posé tout. Quel est le but de la vie? Bon, bien important, quel est le but de la vie? Votre objectif de vie consiste en les principaux objectifs motivants de votre vie. Ça veut dire. Normalement, objectif la vie, c'est les constituer d'objectifs qui motivent la vie. Et raison qu'il faut lever le matin, le bureau capable de guider les décisions qu'on prend et influencer le comportement tout, façonner objectif, offrir un sens de l'orientation
et créer du sens. Donc ça est important, le but que vous gagnez dans la vie, eh bien, but là, il est capable de guider les décisions qu'on prend dans la vie. Décision à prendre. Parce que toute décision à prendre dans la vie, il y a un rapport avec le but qu'on vise. Oui. Ouais. Par exemple, pour que les gens comprennent nous, puis bien, si les gens lui-même, il doit, pour matin là, il ne peut pas travailler, il ne peut pas travailler aux environs de midi, une heure. Ou là, que ou après travail à 7-8 heures, ou il doit dire après 5 heures, il doit dire l'après 7 heures. Donc, ou il connaît pour qui l'après 7 heures, parce que il ne peut pas travailler dans le matin, mais ou soit après travailler dans le matin, ou obligé de lever. Donc, il y a un but. Exactement. Vous comprenez? Oui. Tout ça l'a fait en rapport avec Bully, parce qu'il connaît à 7 heures, il faut y déplacer. Normal. Et c'est ça qu'on nous dit que but, il est important pour qu'il y ait un but dans la vie, parce que ça guide décision qu'on apprend dans la vie. Ensuite, il influence le comportement. Il façonne l'objectif. Il offre un sens d'orientation et il crée du sens. Donc, ça veut dire but est important. Et toute décision à prendre dans la vie en rapport à but qu'on gagne peut-être. Et ça va influencer qui genre d'attitude, le comportement qu'on gagne. Et à même temps, il façonne l'objectif qu'on gagne et il offre. Il y a un sens de orientation parce que où qu'on compte pour aller parce qu'on a un but et la vie a un sens pour vous. Mais ouais, parce que si par exemple vous n'avez pas un but ou pas un objectif, pas une mesure qu'à prendre ou pas même bon côté pour aller et la vie a un sens. Et ça aide de lutter tout contre procrastination dans le sens. Oui, et contre, normalement état dépressif, oui, parce qu'on compte qu'on sauve, parce qu'on vient motiver pour y vivre. Mais quand on va tomber, mais on va chercher moyen pour lever. Oui, on va chercher moyen pour lever. C'est un exemple, il y a un match football hier, là. Vous avez dit que vous commencez à regarder un match football entre Real et Manchester City. Mais lui dit, lui-même, il y a deux minutes, soit qu'il était comme ça, il met dehors, il dit, Real perdu. Ah, moi-même, toujours dis que c'est une équipe, c'est le match. Si ok. Et mais pour qui ça? Parce qu'il y a une détermination contre ça, vous voulez. Pour côté, vous voulez arriver. Ça veut dire que tout le temps, sous terrain là, il n'y a pas qu'à dire. Le premier goal, il n'y a pas pour essayer 3 minutes. Il n'y a pas dit non, il soit de 2 minutes. Oui. Et mais dis-moi, vous voulez, la vie, c'est continuer la bataille liée. Mais 100 000. Même si vous avez un coup, c'est la bataille liée. Ça, mon cher, c'est libre, ça fait au jeune lit, psychologie des gagnants. Ah, mais oui. Bon, ça c'est ça, oui, on apprend nous là. Oui. On apprend nous jouer. Et mais c'est coach là, psychologie avec eux, oui. Il y a un bon coach. Donc, maintenant, pour me terminer, comment vivre la vie au maximum et profiter de chaque jour? Profiter de chaque jour. Ah, profiter de chaque jour. Ah, pour toujours. Comment vivre? Ouais, prendre la vie au maximum. Au présent. C'est lui qui compte chaque jour. Eh bien, ok. N'a pas cité ça parce qu'il est arrivé sous nous. Oui. Premièrement, décidez ce qui est important pour vous. Donc, décidez ce qui est important pour priorité, vous. Priorité, ça qui est important. Deuxièmement, prenez des risques. Oui, qui ne risque rien. Oui, parce que là, prenez des risques. Oui. Parce que la vie a ses risques liés. Oh, ni oui. Ni pas faire business, ni tout ça, décider ou on risque ou quoi. Oui. OK? Prenez des risques. Mais il est vrai, on a toujours fait balance. Oui, oui, des risques calculés. Troisièmement, vivez l'instant présent. Ah oui. Parce que c'est dans le présent. C'est présent. Non, c'est présent pour résoudre. Pas dit demain. Pas dit demain, c'est jeudi. Pas procrastiner. Ignorez ceux qui vous haïssent. Oui. Oh, ça belle pas sur quoi nous faisons tourner sous lui. Ne peut pas ignorer mon qui raille ou même. Parce que mon qui raille ou la lab démotive. Ou tout, oui. Pensez ou pas qu'à concentrer à ça qu'on besoin faire. Bah ou vague. Tout le monde qui va vouloir qu'à parler mal. Bah, on va. Et puis, il y a toujours eu ça. Oui, toujours. Et comment on va l'empêcher? Et ensuite, ne compromettez pas vos valeurs. Très bien. Vous voulez connaître qui ça qui valait pour vous. C'est même bien sûr chrétien, il y a valeur religieuse, estime de soi. Valeur sociale, estime de soi. Estime de soi, qui ça qui a valeur pour vous-même. Donc, ou pas compromettre. Soyez gentil avec les autres. Ça, très bien. Gardez la sympathie attire la sympathie. OK. Gardez votre esprit ouvert. Oui. Esprit ouvert là. C'est-à-dire, moi-même, je dis, dans le fruit de l'esprit, il y a la bénignité. Ouais. Que, ouais, qui a bon chance pour dire, ah, si moi, ça fait comme ça, c'est pour mal garder ni côté
et positif ni côté négatif de lui. Ou pas seulement rete pour dire ah ça c'est ouais fait tu entel dit ça c'est pour mal que lié. Lors qu'on ça ou qu'a fait balance à pasteur Kodo la ba ou yon esprit ouvert puis, parce que normalement avec curiosité intellectuelle là que cap toujours bon esprit pour analyser pour faire balance pour dire entel dit ça entel fait ça. Hein? Ça c'est ça oui qui est mm-hmm. ouvert ou pas abonné. On connaît botan tel c'est non. Et puis tout même les que on défini déterminer côté là là toujours envisager de nouvelles destinations. Ah oui. Ouais. Parce qu'il y a une nouvelle destination. Ah oui. Ou tu décides qu'on y a c'est là pour aller. Eh ben OK, ou atteindre l'objectif ça là mais il y a l'autre côté encore vous voulez connaître. L'autre destination. Il y a l'autre découverte qui est pour faire. Parce que quand vous le comparez, le monde évolue. Vous comprenez? Et nous-mêmes, tout l'homme, nous évoluons. Ouais. Donc, c'est-à-dire, on doit dire, waouh, et ma pas prendre médecine. Pendant que médecin, et par rapport à yon capacité encore que bien, parce mais que yon moun ki gen plus atan, ou que l'autre ba yon ka pran, mais m'pral wè par rapport à spécialisation que m'a fait, c'est pour moi qui est que moi même une fille capable bon plus chance soit pour foire et pour petit monde et par rapport à l'autre talent que m'a gagné pour moi qui spécialité vous comprenez bien ça me là et ceci ou gen doit dans domaine mécanique ou gen doit dans n'importe quel autre domaine par exemple mais là moi l'homme nous pasteur et pour psychologue ça a bien marié. Ah oui, bah c'est ça qu'on a fonctionné. Ah oui, vous comprenez. Donc c'est là on comprend plus bien toujours. Parce que au cahier de plus bien. Au cahier de plus bien. Parce que c'est quelqu'un qui marche ensemble. Donc ça veut dire que non au sens et trouver votre destination très important et l'offre échoué dans la vie c'est l'offre par continuer. Oui, ou pas continuer plus encore ou une incertitude de destination. Et si par contre, quand on veut aller dans tel domaine, prier mon Dieu, parler à l'autre monde, chercher, faire recherche pour, ouais, bon, pour diminuer, pour réduire cette certitude-là, pour augmenter la prévisibilité. Mais on pas qu'à camper. On pas qu'à camper. Comment on fait pour camper? Il faut avancer. Il faut avancer. Mm-hmm. Il est vrai, à l'arrivée, mais il y a une belle. Et parole, Jacques Stéphane Alex, c'était dit dans la prochaine émission, on a partagé. Ensemble. En tout cas, avec donc, nous avons parlé de 7 et demi internes du succès. N'espère que y a quelques monde qui t'a appris quelques bagailles pendant que tu as parlé, parce qu'en réalité, il y a des fois nous échouer et probablement nous sommes dans nous liés. C'est là lié. Yeah. Parce que si tu n'as pas réalisé ça, on va toujours faire un peu de cause. Ah, on va faire une charge pour remercier. Exact. Mm-hmm. Bon, en tout cas, nous remercier tout le monde qui t'a suivi avec nous. Écris-nous. Ouais, et encouragez-nous sur YouTube là, ou bien sur Face là. Il y a un petit direct. Il y a un SMS 37 57 37 10 pour moi. Et puis donc, 37 34 92 51. Ok, 37 57 37 10 pour moi-même. Et puis. 37 34 92 51. Malheureusement, je veux dire, nous pas en direct tout, donc mon balka il est. Donc, nous remercions tout le monde qui est toujours suivi avec nous. Donc, qu'est-ce que vous avez à parler? Bye bye. Bye, à la prochaine.